Le break d'aujourd'hui est une présentation de TW Sports Cards. TW Sports Cards. C'est là, faut être acheté 4 le grand. Et je vous rappelle qu'il y aura un trade day au TW Sports Cards le 26 mars prochain. Alors voilà, 52-64 Bélanger, tout près de la 43e entre Vio et l'Assomption. Et c'est le moment tant attendu. Veux-tu, s'il te plaît, ne pas toucher? Et pourquoi tu fais voyons. T'as même pas besoin d'assurance. Alors, les soumissions d'assurance. T'as même pas besoin d'assurance. On va écrire live, même si c'est pas live. Alors, on avait une co-animatrice, finalement, elle nous a quittés, faute de cachet, ou sinon, c'était juste pas assez intéressante pour elle. Donc, bonjour, salut! Si tu me connais pas, puis tu m'envoies ton argent dans la main, moi, je peux poser des questions, hein? Tu m'as reconnu, c'est moi, Monsieur Vidéo. Bonjour, mademoiselle. Fait que j'ai plus de la co-animatrice, mais j'ai une caméra. Une co-carrément, Alors, on perd pas de temps, c'est le Box Break numéro 11. Non, 12. Déjà 12, ça s'est fait tellement vite. J'ai même pas eu le temps d'assimiler l'information. Je veux juste lire un commentaire entre le moment où j'ai dit que je faisais... Alors, la surprise va être donnée au prochain Box Break. Je vais donner une belle carte à David de dire Tech. Alors, merci Tech, c'est en passant de suivre mes événements. Alors, voilà, je vais en profiter pour dire que Tech a mis en ligne un break pour ce soir, si je me trompe pas. TW Sports Card, allez sur le groupe, ou même, il y a probablement un lien à partir du groupe des accros. Voilà, donc, ben vas-y aux toilettes. Joue pas dans la litière, mon cœur. Va faire pipi. Si, bon. Bon, ok, trêve de plaisanterie, j'ai beau faire ça de bonne heure, mais il y a quand même des contraintes, hein, comme la batterie qui, on sait jamais de combien de temps qu'elle va durer. Oui, la petite batterie. Pardon, j'ai chaud. Non, c'est juste moi. C'est peut-être un cancer du cerveau, parce que là, la pression monte rapidement, ok, puis là, je me ramasse comme si j'avais la tête qui brûlait. Tu sais, un peu comme le Easy Rider. C'était ça, le gars, là, qu'il veille tout en feu, là. Un squelette en feu. Alors, voilà, donc, rapidement, très rapidement, en un temps record, c'est rempli le break. Écoute, on a mis ça en ligne il y a peut-être 24 heures, ou non, je pense qu'il l'a fait hier matin, à 11h25, donc... un grand merci, c'est assez exceptionnel, j'ai jamais vu un break se remplir aussi vite, sauf une fois au chalet en 2013. Alors voilà, donc commençons. Alors c'est la boîte numéro NE2412-26675, calice. Je m'excuse là, mais... Ok, Sylvain, va falloir que tu te concentres sur l'information que je te donne, là, ok? Je te chicane publiquement devant tout le monde, là. Je manque de classe peut-être, là. Mais ça fait 2-3 fois que c'est moi qui passe pour l'esti de cave qui donne pas le bon numéro. Ça me fait chier un petit peu. Ok, fait que travail, work on this. Juste voir de quoi, même pas. Ça sort d'où ce petit numéro-là?
C'est même pas ma boîte d'Upper Deck. Je sais même pas ça sort d'où ce numéro-là. Bref, c'est la seule que j'ai ici, donc ça peut pas être d'autres boîtes qui a été annoncée. Mais c'est un fuck non nécessaire. Ok, je vais juste écrire le numéro de la boîte. Puis toi, ferme ta boîte. Je perds personne. Ok. Donc. Donc, c'est le numéro NE241226675. Ok, alors, on perd pas plus de temps. Je pense qu'on a assez perdu de temps. Est-ce que j'ai besoin de dire quelle équipe vous avez? Non, vous le savez. On ira au fur et à mesure. Quand il y aura des hits, là, je mentionnerai le nom de la personne. Ça sera mieux ainsi. Alors voilà, j'ai déjà chaud. Alors voilà. Donc encore une fois, un grand merci à Tech et son équipe de TW Sports Cards. C'est ça. Il y a des rituels qui sont pas évidents dans le sens que. Je suis pas capable de m'en tenir là, tu sais, à être toujours le même, égal à ma main. C'est pas moi. Donc, 3 signatures par boîte, on y va, et highlight by one future watch rookie. Alors, bonne chance. failli scraper mon beau matériel. Alors, voilà, ici j'ai le petit sticker à si tu es capable de faire ça de même. Donc, j'avais préparé une enveloppe. Ben, le gagnant, c'est, puis je crissais ça dans l'enveloppe, mais finalement. Les idées, on a. Je mets jamais rien sur papier. Donc, tout ce que vous voyez, c'est improvisé. J'ai rien de préparation à l'avance. De toute façon, si je le préparais à l'avance, je l'oublierais. Donc, on est parti. Premier paquet. Bonne chance. Et on a. Est-ce qu'on fait un premier heureux avec ce paquet? Donc, pour. On va y aller comme ça pour que tout le monde puisse voir en même temps. Alors, base pour San Jose. San Jose. Mirko Müller. Autograph sur 999. Base, tiens. Donc, ça, c'est bon. Là, il y en a. Je suis quasiment insulté d'apprendre ça. Il y a du monde qui regarde les breaks en fast-forward. C'est-à-dire qu'ils passent d'une carte à l'autre sans écouter. Ce que le gars dit. Alors, voilà un premier hit. On continue. San Jose, qui avait pris ça? Kevin Hamel. Ah ouais? Kevin Hamel. Ah ouais? On n'a même pas vu que Kevin Hamel avait pris un spot. Félicitations, Kevin. Oui, je vais être obligé d'envoyer les cartes à Québec encore cette semaine. Donc, une base, une autre base. On est un moment ici. Puis on a deux trains. Donc, ça c'est chiant. Pour Johan Savard. Une pas belle Jonathan Drouin. Regarde le beau coin. Je te donnerai le numéro de la boîte. Je ferai une photo de la du cas. Si. Ça, c'est ça. Fait que c'était le hit. Grosse déception. Quand tu regardes la compte. Ah oui, puis j'ai ça. Donc, pour. 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 Ah, c'était. Donc, pour de LA.
Yann-Éric, Alec Martinez. Sûrement rapport avec le but en prolongation. Oui, c'est ça. Donc, le but en prolongation, le but de la Coupe Stanley, il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Mais elle n'est pas signée. Donc voilà. On va y revenir. Il faut que je protège ça. Ça, par contre, ça me fait réellement chier parce que. Papa, là, il faut que tu dis à soi, à maman, que après tu as dit que tu es forcé à mon. C'est quand ton cours de cuisine, mon cœur? C'est ton maman, ta femme. C'est demain, le 30 mars. C'est la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Est-ce que tu veux que ce soit maman ou papa qui y aille? Juste maman. Tu veux juste maman? Parfait. Papa va pouvoir rester à la maison et dormir ce matin-là. Mais, assure-toi, tu peux passer à maman. C'est... Je vais le montrer à maman, OK? Mais maman, elle a quand même un certain délai pour répondre. Fait qu'on verra. Et après, il faut que tu la dis, le mets-le. Regarde, maman connaît. Mets ta monarque là. Papa, il fait un break. Après, mais... Va écouter tes émissions. Va jouer avec le jujube. OK, papa fait son break. Donc, base. Ici, nous avons... Donc, ça, finalement, on a décidé qu'on les envoyait pas. Par contre, si tu as d'autres hits, je te l'enverrai. Donc, Winnipeg, François Daudelin, c'est une update de Michael Hutchinson. Donc, même pas sa Young Guns, parce que c'est une deuxième année. Même pas, il y a Hutchinson, c'est en 2012-2013. Donc, voilà, voir s'il y a d'autres hits, non? Parce qu'ils sont considérés comme des bases. Mais comme je te dis, si jamais j'ai d'autres trucs à te faire parvenir, je vais te l'inclure avec grand plaisir. On y va. Donc, toujours à la recherche du facteur wow. Donc, après Bob et Norman. Lily, c'est un chat, c'est furtif. Il faut que tu le trouves. Alors, base. Enfin! Base. Et... je dirais pas Calis, mais il y en a qui vont dire Calis. C'est toujours le même que tout. Alors, pour les Ducks de Martin Côté, John Gibson et tabarnak. Future Watch Limited. Et non, c'est pas Rookie cette année-là. Donc, Limited Auto Patch sur 100, la 37. Art 5 Auto 1, 2, 3, au moins 3 couleurs. Félicitations. Enfin. Ah, ça me fait plaisir. Là, tu peux pas savoir comment je suis heureux. T'es d'abord. Calissement temps. Félicitations. Ah, je me sens mieux. Pas combien qu'elle vaut, là, mais. Regarde, c'est une crise de belles cartes. Je me dis toujours que les fabricants de cartes font pas les cartes en fonction de leur valeur. La valeur, c'est. En gros, c'est nous qui le faisons au travers le Beckett. Donc ici, une parallèle pour Chicago. Qui est à Chicago? Chicago, c'est Martin Dubois, je ne me trompe pas. Papa. Parapapa. Papa. Oui, Martin Dubois. Donc, Marianne a ça. En souhaitant avoir d'autres choses à t'envoyer. Puis tu vois, celle-là aussi. Fait que j'ai l'impression que c'est une boîte qui a été kinkée dans sa caisse. Ça part de où ça? C'est Universal, ça? Je connais pas de gens qui travaillent chez Universal, mais il
finir par penser qu'au niveau de la manipulation de leur boîte, ils s'en calissent. There we go. Fait que là, Dave, qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? Ah, j'ai fait un break. Ah, t'as pas fait ta vaisselle? Non, ni la vaisselle, ni le lavage. Le lavage, t'es en train de finir de sécher. Il y a un switch à faire. La vaisselle est à faire. Le souper est à préparer. Mais j'avais le goût de m'amuser. Ma femme finit très tard ce soir. Elle va être à la maison, genre vers 11h. Fait que... j'ai comme décidé de me faire plaisir, puis en même temps de vous faire plaisir, quoique c'est tout grâce à vous si on a droit à ce plaisir. Ah, puis un petit peu grâce à Tech. Alors, ici nous avons... Oups, c'est une redemption, non? Fait qu'on va coller ça comme ça. Base, 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 et... nous avons Young Guns Update, Julien Brouillette. Julien Brouillette. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Ah, puis, joke en passant, ici on voit une chose de John Deere. Savez-vous pourquoi les tracteurs de John Deere sont verts? Non! Allez demander à John, il va vous le dire! C'est une joke d'un enfant de 10 ans, je crois, qui m'a été racontée hier par son père. Puis Chris, j'ai trouvé bonne. Alors, on continue. Washington, Winnipeg. Qui c'est qui a appelé Jets? Finally, it happened to me. François! Donc, François, je vais t'envoyer l'autre aussi. Il y a une chance de prendre Winnipeg, mon Frank. Alors, on continue. Base, on a vu qu'on avait quelque chose. Alors, base. Decoy. Base, 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 base. Ah, bon, on a vu. Mais, en plus d'être une update, elle est exclusive. Et je pense qu'elle est numérotée de son âge. 84 sur 100. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas 84 ans encore. Mais, crise de belle carte. Floride, ça doit être encore mon chum Dubo. Bobo Dubo. Non, c'est Tech. Espérons qu'il saura l'apprécier. Moi, je trouve que c'est une crise de belle carte. Station. Moi, je trouve que c'est une belle carte. C'est pas... c'est quoi? Le fait que ce soit Jagger et tout, il est en train d'écrire l'histoire à sa façon. N'empêche que si mon urine ne se trompe pas, et d'habitude, mon urine est assez sûre, je serais porté à dire que... Ça, c'est encore pété. Moi. Je serais porté à dire que... Je m'en rappelle plus ce que je voulais dire. C'est ça. Mon urine est trop sûre. Donc, base, 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 Bobby Base. Et nous avons... pour Detroit, Jimmy Howard. Retro. Jimmy Howard. Un autre que le côté... Finalement, est-ce que c'est tout? Non, parce qu'on n'est même plus dans la même pile. Le côté du foil est pas beau. C'est le fait. On se met du foil. Tu sais que tu as découvert le mot foil, David. Début des années 80, dans un livre de collant de hockey d'Opeachy, que la Coupe Stanley était en foil. OK. Par contre, combien de temps ça t'a pris savoir ce que c'était du foil? Ah, ben là, pff. Hey! Y a-tu plusieurs hits dans ce boîte-là? On y va!
decoy. Alors, base. Et... Jonathan Jacques. J'avais dit qu'il fallait prendre Columbus. Ah oui, en plus. Ah, tabarnak. Sébastien Charette. Quand je t'ai dit de prendre Columbus, fallait que t'apprennes. Alex Wenberg, auto, retro, die-cut, whatever, mais surtout auto. Félicitations. Quel beau coin rond, c'est le fun, ça, t'es sûr de pas péter de coin pis tout. Hein? Pourquoi tu dis ça? Ce qui est rond! Voilà. RST. Deuxième signature de la boîte. On continue. Et c'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Oups, je viens d'en perdre 40. Et ici, nous avons... Trick 8-21. Alright! Alors, base, decoy et pour les Oilers d'Edmonton, Mike Krushelnicki. Et elle n'est pas autographiée. Edmonton, qui a sauté sur Edmonton? Edmonton, Raphaël Dionne. Tellement sûr que tu aurais préféré une Gretzky, une Messier, Mike Krushelnicki. On peut-tu dire que c'est une base? Faut-tu que je te l'envoie? Faut-tu que je crappe un thème de l'année 80 pour ça? Alors, voilà. Félicitations. Il est rendu à la moitié de notre moment. Il vient de se déposer une poussière brillante sur mon clavier, sur la touche backspace. Et c'est ça. Je suis le même. Moi, je peux vous m'empêcher. Comme dit. Est-ce une redemption? Is it a redemption? I'll tell you, Fenerbahçe. Base. C'est le fun. Hein? Ça fait une belle place pour la faire signer, ça. Puis avec son petit barbeau. Hein? Base. Non, c'est pas une redemption. Et base pour Chicago. Nous avons, ça ressemblait à Steve Larmer aussi. Nous avons Steve Larmer. Avec une photo prise au forum. Dans le bon vieux forum. Maudit Barta. As-tu vu un autre? Le foil. La petite foil du calice. Puis là, ceux que tu parles mal, ta fille est à côté de toi. Non, ma fille est dans le fin fond, là-bas. Puis elle est en train de jouer. Fait qu'elle m'entend pas. Je le sais. Parce que bien souvent, je crie « Lily, viens ici, Lily, viens ici. » Puis Lily, elle vient jamais. Comme ça. Oh, c'est juste mon père qui m'appelle. 4 ans. Il y en a qui catchent vite. Il y en a d'autres, comme moi, qui sont plus durs de comprendre. Non. Alors, nous sommes rendus au paquet là. Et on fait un heureux ici. Oui, est-ce non? J'ai hâte de voir. On va enlever les bases. Et pour Johan Savard. Un Future Watch à pas de l'air auto de Cody Kunick. Je sais que tu aurais préféré Jonathan Drouin. Mais t'as pas pensé à cette femme. Il faut mettre l'énergie. Je me concentre. La visualisation. Oh, c'est comme, j'ai un gros pénis. Ah, oh, fuck off là. Et, voilà. Voici, la voilà. Sur 999, la 217e. Donc, les Future Watch à date, j'ai rien vu de...
On continue. On continue. Techniquement, il manque une auto. Puis, hey, Happy Deck, foot mal moi. Hein? J'espère qu'il n'y a pas d'anglophone dans le groupe. Ils vont faire comme. What? What is he saying? Bass off, blah. Oh, il y a deux hits. Bass. Alors, on commence ici avec Saint-Louis. Oui, c'est Saint-Louis. Non, c'est les Blues. Défenseur, Petteri Lindbaum sur 999. Et pour encore un hostie de coin de pété. Fait chier, Weber. Pour Nashville, qui a Nashville? Nashville is Marty Lemelin. Première fois que je nomme ton nom, Marty. Il me semble que ça a pris du temps. Mais je suis assez déçu de la qualité du produit Ace parce que c'est des boîtes qui ont déjà un an. Ou Ace. Tu sais, il est où le fuck? C'est ça qui est le problème avec la manipulation, de la manutention. On se pose trop la question à quel niveau il est le problème? Moi, là, je parle du TW avec mon sac plein, OK? Puis je prends pas un sac à poignée, là, je le mets dans mon sac, genre des sacs d'énergie cardio, là, des sacs de gym, pour justement ne pas kinker les coins de la boîte, ni les malmener, les brasser. Tu sais, même que souvent, je me fais donner un lift en sortant du magasin. Fait que... J'aimerais ça savoir. J'imagine, regarde, c'est pas Serge, c'est pas Tech. Eux autres, ils veulent les vendre, leurs boîtes. S'ils commencent à se faire un nom, ils vendent des boîtes pétées, ça sera pas mieux. Fait que c'est clair que c'est en haut d'eux autres. Fait que, hey, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont. Je me souviens dans le temps, quand Kekan était encore ouvert au public, puis que personne chialait contre eux autres, que il y avait des boîtes qui étaient laides, là, tu sais. Des boîtes sales. Des boîtes quasiment boiteuses, puis des boîtes qui étaient scrap. Là, Bass! Oh, c'est on a un hit. Bass! Je dis un hit, j'ai même pas regardé s'il était signé. Alors, nous avons. Ah, ça aurait été le fun que ce soit signé pour Martin Côte. Changez de côté, vous êtes trompé. Nathan MacKinnon, top pick lead, rookies and point goals. Donc, félicitations. Une belle carte de MacKinnon, mais ce n'est pas son année recrue. C'est un highlight de son année recrue, mais quand même, c'est toujours plaisant à avoir dans une collection. Voilà, félicitations. Fait que, tu vois, Martin, il va avoir deux cartes comme ça. Isn't it wonderful? On continue. Ça va venir, ça va venir, ne nous décourageons pas. Alors, ici, Bass, c'est assez ordinaire. Pour Tech, ça a été le fun que ce soit la Eidlas ou la Plate. Donc, la update régulière de Jagger. Là, je vais te l'envoyer parce que tu as l'autre. T'sais. Fait que, par principe, moi, je suis pas sûr que j'ai... Malgré que... Non, tu vois, il a pas fini sa carrière, ça a été... c'est le fun quand tu as... une belle et longue fiche de statistiques. Moi, j'aime ça. Dernière pile. Après ça, je vous crie spatial. Alors. Base. Whoops. Pour
ça c'est une base. C'est une base, c'est là. Alors, pour Martin Côté, Jamie Benn et Tyler Seguin, malheureusement, elles ne sont pas signées. Elle n'est pas signée. Alors, Ain't No Moment. Alors, on continue. Il reste quoi? 4 paquets. 4 paquets, puis si je ne m'abuse, il manque une signature. Une signature. Non, ils sont là, c'est vrai. J'ai la. Celle-là. Une. Celle-là, deux. Puis la première d'entre toutes qu'on a sortie, la Mirko Mueller, trois. Alors, on continue en espérant qu'on ait droit à des meilleures surprises. Pour Chicago, Martin Côté, c'est pas une surprise pantoute. Brendan Saad. C'est pas une surprise. Mais pas et it. Un petit 2 minutes pour saluer le jeune Jude qui a fait une crise d'épilepsie dans la classe de ma fille ce matin. Alors, hey Jude, don't take it bad. Take a sad song and make it better. Ok, Bass! Oh, il y en a qui vont être contents. Ce serait encore plus fun. Ça serait signé Bass! Et pour le Lightning de Johan. Ah, c'est même pas le bon que je pensais. C'est vrai, ça aurait écrit dans l'année d'avant. Nikita Nesterov. Future Watch sur 999. Base. What's my name? What's my name? Hey, Billy, comment la série sur le sable Billy? Alors, base. À date, on n'a pas eu Redemption. Ah, ça, je suis content. Pour mon ami Martin, Martin Dubo, celui-là. Alors, Martin, je vais t'envoyer l'autre petit hit qu'on peut considérer comme un hit parce qu'il est comme différent dans la boîte. Mais ici, tu as une Teuvo Teräväinen Retro. Encore un petit coin de Wheezy Weezo. Je suis peut-être moi qui est trop. Qui est trop chatouilleux, mais en même temps, j'aime ça shipper des cartes que j'aime, puis dans un état qui me convient. Je sais pas si on se comprend. C'est l'heure du dernier paquet. En lui, avec lui. Yeah, let's go. Ça fait longtemps que je parle à la messe. Alors, je voulais être curé quand j'étais petit cul, mais quand j'ai su, je ne peux pas me marier ni avoir d'enfant. J'ai comme fait fuck off. Parce que j'ai commencé. Je servais à la messe en deuxième année, donc 84-85.
Non, en fait, c'est à partir de ma première communion que j'ai commencé à servir la messe. Puis, ben, j'avais déjà découvert le bébé doc et tout, mais c'est en 85 que j'ai découvert le vin de messe. Oui, j'ai découvert le vin de messe. Donc, tu vois ici qu'ils ont mis le kit. Est-ce que c'est un... Non, c'est pas un, c'est une base. Et... Bon, c'est... il n'y aura pas de Redemption dans cette boîte-là. Donc, fait que le vin de messe, puis... Il était pas mauvais. Puis à Saint-Rémy, eux autres aussi, mais c'était du vin de messe de la Nouvelle-Zélande. Puis ça, là, c'était vraiment drôle parce que je remplissais la buvette, finissais la bouteille, rentrais chez nous. Alors, base. On va mettre le decoy ici. Ah, tu vois, je pensais que c'était pour une autre équipe. Mais non! Alors, pour... Martin Côté, Montréal, Carey Price, Modern Moment. Elle n'est pas signée, mais c'est une jolie carte. Alors, voilà, félicitations. C'était le break... exceptionnellement un mardi, exceptionnellement en après-midi. Voilà, donc, et exceptionnellement, on a eu un hit. Je ne sais pas si c'est un case hit, parce que c'est pas une rookie. Rookie, ça aurait été vraiment hot. Mais cela est ce qu'il est. Donc, fait que le frère n'est pas de Vancouver, pas de... C'était quoi l'autre club que tu avais pris? Elle, t'en as une. Puis les Sénateurs, t'as rien que Ottawa. Ottawa. Avais-tu autre chose, non? Fait que tiens, recherche ton hit cette semaine. Donc, Montréal pour. Là, j'ai tu mon. Attendez, une petite mystère. Mon support est ici. Alors, pour le Canadien de Montréal, de Martin, Côté. Donc, ça c'est pas Martin. Ça, c'est pas Martin. Ça, c'est pas à Martin. Ça, c'est à Martin. Voilà. Ça, c'est à Martin. Voilà. Chicago, c'est à Martin Dubois. Winnipeg, c'était François Daudelin. Et ça, c'était Tech. Detroit. Qui avait Detroit? Martin Dubois. Qui avait... C'est Jonathan Jacques. Edmonton, Kevin Edmonton, je m'en rappelle même plus. Raphaël Dionne, Chicago, Martin Dubois, Dubois. Tampa Bay, c'était Johan Savard. Saint-Louis, c'était Marty Lemelin. Donc Marty qui a été moins chanceux cette semaine que par les autres. Nashville, c'est Marty. Bon, c'est. Même si c'est pas les gros chars. Ici, Dallas, c'est Martin Côté. Donc, tu as celle-là aussi, Martin. San Jose, c'était Kevin Hamel. Donc, un autre qui va être perdu comme ça. Là. Pourquoi il dit perdu? Dans le sens qu'elle va s'en aller tout seul. Ici, c'était Johan. Et on termine avec Martin Dubois. Alors, Martin Côté, tu as la Modern Moment de Ben Seguin, la Modern Moment de Nathan MacKinnon, la Modern Moment de Carey Price, ainsi que cette superbe patch auto. Trois couleurs. Félicitations. Pour mon ami Martin Dubois, nous avons donc pour Chicago, Teuvo Teravainen en retro. Une update de Brandon Saad, une retro de Steve Larmer, une retro de Jimmy Howard et une retro de Mariano Saad. Alors, félicitations, mais rien à part la Teravainen, malgré sa condition, rien à écrire à sa mère. On continue, qui c'est qui a de l'air d'avoir eu pas mal? Donc, Johan Savard, c'est bien ça, Johan Savard, oui. Donc, Nesterov et Kunik dans les Future Watch. Malheureusement, pas signé. Tous deux sur 999. Et là, Jonathan Drouin
Fait que tu jetteras un coup d'œil, tu prendras une décision, tu nous tiendras au courant si jamais tu veux essayer de faire une réclamation à Upper Deck. Et voilà, je ne sais pas si TW peuvent font offre ce service de étant donné qu'ils sont Diamond Dealer. Alors, on s'informera. Donc, voilà pour toi. Félicitations. Merci. On est rendu à... Tiens, on parlait de Tech. Donc, Tech, la exclusive sur 100, la 84, et la régulière de Jaeger Update. Poursuivons Winnipeg, François Daudelin. Moins chanceux aujourd'hui, rien des Flyers, outre mon beau chandail de Pelé. Te sentais-tu observé? Donc, voilà. Donc, une... Julien Brouillette, Young Guns Update et la Michael Hutchinson. Voilà. Poursuivons. Ça c'est fait. On tombe dans les... Donc, pour les Blues de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est Marty. Marty, aujourd'hui, tu as eu Petteri Lindbaum en Future Watch sur 999, ainsi que la chez Weber SP Retro. Donc, voilà. On est rendu au single hit. Donc, Columbus, c'est Jonathan Jacques qui a eu la bonne idée de sauter sur Columbus quand moi je la recommandais à un autre. Qui décidément a rien à l'Arizona. Je suis bien déçu. Et ici, donc, Yann-Éric. Les Kings, oui, Yann-Éric, mon frère, tu as la Alec Martinez. Modern Moment, félicitations. Quoi d'autre? Pour Edmonton, qui était Edmonton, Raphaël Dionne, Raphaël, la Mike Krushelnicki, All-Time Moment, félicitations. Et on termine avec le premier hit de la boîte, donc... Pour San Jose, c'était Kevin Hamel. Alors, Mirko Müller, Autograph, Future Watch, Auto, sur 999. Alors, voilà, félicitations, merci beaucoup. Je laisse à Martin le soin, encore une fois, d'annoncer la suite des choses. Est-ce que nous ferons, oui ou non, un RAS pour cette boîte? Alors, le processus sera enclenché sous peu si Sylvain décide de procéder ainsi. Ce week-end, Sylvain ne sera pas disponible, donc c'est fort possible qu'il n'y ait pas de break en fin de semaine, étant donné qu'on l'a fait aujourd'hui. Et puis, voilà. Non, c'est pas mal ça. Non, je suis juste en train, j'ai comme barré à cause de ce petit numéro de boîte. Fait que Sylvain, fais attention. Hein, celui-là, c'est le NE2411-164-119. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il me reste d'autres choses à spécifier? Sylvain Chevrier devrait être en visite dans la métropole. Ben, je dis dans la métropole. Ça, c'est chiant. Non, ben, par contre, il devrait être de passage. Mais on dirait qu'il va plus s'étendre sur la rive sud. Mais c'est correct, hein? Donc, de toute façon, tout le monde a peur de venir à Montréal. Ah non, on prend juste 20 minutes dans Montréal. Ça, je parle au monde de la rive sud, là. Non, je ne vais pas. Au monde de la bande, non, je ne vais pas. Encore là, c'est encore drôle parce qu'ils arrivent à Montréal, là, dans leur Honda Civic. Là, mais. Okay. C'est tellement. Ils sont dessus le Crystal Meth. Hein? Le Crystal Meth est arrivé en ville. Fait que, voilà. Donc. Oui, hein, il avait une petite voix assez stridente et désagréable. Hein? Ça, je me disais à moi avec. Pour ça, j'ai arrêté. Il fait comme. Ouais, je sais que c'est moi, mais je fais ça pour moi aussi, parce que puis avoir de voix après ça, ce sera pas drôle. Alors voilà, donc c'était le break d'aujourd'hui. Merci à tout le monde. Je vais d'ores et déjà commencer à préparer les enveloppes. Puis, ben c'est ça. Fait que à l'heure où on est rendu, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Puis, une bonne petite bière, une bonne game de hockey ce soir. Puis, s'il y en a, je ne sais même plus. Regarde, je suis déconnecté côté hockey. Je me concentre juste. Je regarde juste mon pool à long terme. Le reste, là, fuck all. Je regarde les résultats, fuck le reste. Alors, voilà. Donc, bonne semaine. Merci. À la prochaine. Ice samedi, ice demain, ice ice baby. Doum, 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 doum. Je préfère Under Pressure. Alors voilà, c'était le break d'aujourd'hui. Bonne fin de journée. N'oubliez pas le 26 mars, le trade day de TW Sports Cards. Et voilà. Donc, mon nom est David Turenne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au nom de Sylvain Doucet et moi-même de NHL Fun Break and Raz. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain événement, un Raz, un break ou juste moi qui ai décidé de faire le CAF. Ciao.